Eh bien, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Dauntless. On va continuer notre avancée par rapport à cette série de vidéos. Je vais vous présenter tous les behemoths qu'on puisse avoir. Donc là, la dernière fois, on a déjà fait un Knasher, on a déjà fait un Charog. Là, aujourd'hui, on va passer sur les behemoths de givre. On va passer sur un Scraev. Scraev que j'aime beaucoup à faire. Franchement, j'aime beaucoup me battre avec lui. Et une petite tactique à avoir, il n'y a pas énorme. Une petite tactique, c'est de le stun au moment où il charge. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mob là. Donc du coup on va s'équiper en conséquence. Non, c'est pas cette touche, c'est celle-là. Donc du coup une arme feu. On va mettre ça. Bon, du coup, bon, on va mettre la boréale. On va s'équiper en full boréale. Elle est là. Non, merde, c'est pas la boréale. J'ai des gosses. Elle est là. Et les jambières boréales qui sont là. Au niveau des cellules, je suis bon. Même si j'ai pas des cellules excessivement fortes. J'ai pas vraiment farm les cellules. Attendez, je vais juste check pour voir si mes cellules là, ils ont fini. Ah bah apparemment, ouais, elles ont fini. Donc j'ai encore 20 secondes. On va les révéler. Une tempête de lame 3 ajoute une quantité fixe de dégâts. Oh, bon, ça c'est pas mal. Et toi, restaure l'endurance après une esquive parfaite. Bon, je suis pas très fort en esquive parfaite. On peut pas remettre deux petites bleues. On va mettre celle-là. Et on va mettre celle-là. Voilà, comme ça, moi, il y en a déjà une qui est prête. Après le combat, si j'y pense, j'irai faire la deuxième. Donc du coup, c'est parti. Solo, comme d'hab. Le but, c'est de vous présenter tous les behemoths en solo, pas de les faire en groupe. Il n'y a aucune utilité sinon de les faire en vidéo, à part plus tard, quand il y aura des mobs un peu plus forts. Là, je commence à tomber sur des behemoths assez insane avec une certaine stratégie à avoir. Comme j'ai oublié son nom, c'est le Vlad Madir, je crois, ou le Vlad Madir, je sais plus. C'est un behemoth rayonnant qui steppe un peu dans tous les sens, qui envoie des boules d'énergie un peu partout, qui tire des rayons laser. Il fait pop aussi des adds sur la map qui tire des rayons laser. Il peut se protéger d'un bouclier rayonnant. Enfin, c'est une petite galère un peu. Et j'ai surtout pas le stuff pour le faire convenablement pour l'instant. J'ai surtout pas l'arme obscure parce que j'ai pas encore débloqué les behemoths de type obscur. Donc du coup pour l'instant j'ai juste... Comment dire, j'ai juste l'arme rayonnante et encore je l'ai même pas... j'ai juste l'armure rayonnante, pardon. Je suis juste pour l'instant craft l'armure rayonnante. Pour l'instant... Il se trouve où mon petit Scraev là? Il est pas là, bah il doit être full nord je pense. Ah, il est là. Attendez, on va récolter ces petites fleurs célestes là en attendant. Hop, en allant sur le chemin. Là, on a quoi? C'est lesquelles ça là? J'ai oublié le nom. Ah, les lys en cœur. Ok, on va dégainer. On va dégainer et c'est parti. Ah, putain. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir du tout. On commence mal le fight, c'est pas grave. Allez, énerve-toi un coup. Je vais te mettre un coup, deux coups. Hop. Allez. Voilà, j'ai raté. Oh mais non, mais j'avais appuyé sur mon... J'avais appuyé sur mon esquive, c'est pas grave. On va lui mettre un petit combo. Non, putain, j'ai voulu forcer, j'ai spam clic droit alors que j'aurais pas dû. Allez, vas-y. Non, voilà, j'ai encore spam, c'est ça mon gros défaut. Ça, mon gros défaut, c'est que je spamme trop les touches en fait. Au lieu de faire à coup par coup, je spamme les touches. Hein. Et là, je peux l'enchaîner un peu. Ok, vas-y, viens. Maintenant, je les stun, mais il m'a touché aussi. C'est pas grave, c'est pas parfait, mais au moins, j'ai réussi à le stun. Pour l'enchaîner un petit peu. On va pas claquer mon attaque spéciale maintenant. Voilà, j'ai encore fail, comme à mon habitude. Une petite popo. Allez. Ah bah je l'ai étourdi. Du coup c'est parfait. On va faire des attaques légères. Hop là. Oh merde, j'étais trop proche pour pouvoir vraiment anticiper ce coup là. Bah ouais, et du coup deux fois. J'aurais dû rester franchement dans le... Dans la boule de glace, clairement.
Allez, reviens. Trop tard, ouais, je l'ai vu, je l'ai fait trop tard. J'ai du mal à l'anticiper encore. Et là, je peux l'enchaîner un peu. On va lancer la capacité spéciale, on va tout claquer maintenant. En espérant qu'il s'envole pas, voilà, là il brûle, c'est parfait. Ah voilà, là il s'énerve, je sais pas pourquoi j'ai pas pu counter. Enfin, j'ai pas pu esquive. Ok, c'est bon, on peut lui mettre deux petites autos. Ok. Parfait. Deux bonnes esquives. Attendez, je me gratte un peu. Reviens vers le milieu de map. Reviens par là. Voilà. Ok, j'étais trop proche. J'étais vraiment trop proche pour pouvoir faire quelque chose. Aïe, 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 je fais nimp. Plus je le connais par cœur ce boss, c'est comme par hasard, je le fais en vidéo, je le fail, tout à l'heure je l'ai fait, j'ai fait presque un perfect. Il m'a presque touché aucune fois. Tu fais pas deux fois, tu fais pas deux slams. Ok, parfait. Oh bah deux, on lui a pété deux morceaux. On va en profiter pour le bourriner, on va mettre le boubou. Je peux y aller, je suis insensible. J'ai pas la meilleure des lanternes, mais bon, elle me plaît bien. Ça sert à rien que je revienne par là. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Genre? Mais oh non, c'était un timing parfait là, normalement. On va passer un peu de ce côté-là. Ah bon, tu t'en vas carrément. Bon, c'est pas grave, on va lui courir après, écoute. Hein. Bon, j'aurais dû me heal avec la source. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Comme ça, on perd pas de temps. J'aurais dû, franchement, j'aurais dû. Mais bon, tant pis. Hein. Osef. Ok. On va dégainer l'arme. Voilà, il l'a fait deux fois, j'étais pas prêt. Allez. Je l'ai eu, mais il m'a eu aussi. Bon, je comprends pas pourquoi. Voilà, parfait, on le brûle. Oh. Juste deux. Voilà, il s'énerve. Tant mieux. Faudrait que j'arrive à lui péter les cornes. Allez, fonce-moi dessus. Non, tu veux pas? Normalement là. Ah, mais je l'ai étourdi en plus. Nice. Ah bon, tu m'as touché. D'accord, je sais pas prêt. Ah, parfait, là voilà, c'était timing vraiment parfait pour le coup. Si je peux, je vais essayer de lui péter tous les membres. Voilà. Cassé 25 parties, ok, derrière on le stunt. Et il va lui manquer la tête, faut lui péter ses cornes. Allez, reviens. Il lui manque aussi la patte arrière. Aïe, 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 trop tôt. Une demi-seconde trop tôt, tant pis. Pas grave. Aïe, 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 faut pas mourir. On va pas mourir. Allez, pète! On va essayer de lui péter. Voilà, parfait. Maintenant, il reste plus que la tête et on sera vraiment bon. On aura fait un fight parfait du coup.
Voilà, bah voilà. Attends. Ah non, il manque la queue. La queue, elle se casse pas, mais... C'est un membre quand même à pouvoir péter sur le strive. Parfait. Parfait. Il manque plus que la queue. On va essayer de la faire vite fait, avant qu'il se relève. Comment ça, il manque la queue et... Ah bah, il est mort. Tant pis, on n'aura pas eu la queue. C'est pas grave, on n'aura pas eu la queue, mais au moins, on n'a pas fait un fight parfait. Ça m'étonnerait que j'ai un S+. Ah bah, si, quand même. J'aurais pas pensé, vu le nombre de fois il m'a mis KO. Donc du coup, fragment de plume, parfait. Du froid de griffe, du fragment de prise glace. Épique, c'est parfait, on en a eu deux des épiques. Et orbre givré, 3. Pas trop mal, on en a où dans l'avancée des scrèves. Briser 100 parties, 2 sur 75. Bon, bah, ouais, interrompé 50 fois, 0 sur 40. Pourtant, là, je l'ai fait une fois, je comprends pas. Même 2 ou 3 fois, je sais plus. Étourdissé, 7 sur 10. Alors, est-ce que c'est étourdissé, c'est quand il a les espèces de petites bulles blanches, ok, autour de la tête. Donc, du coup, on l'a fait 2 ou 3 fois. Par contre, interrompé, je comprends pas pourquoi ça m'en a pas compté, à moins que je suis passé au palier suivant, du coup. Du coup, on va récolter ça. Qu'est-ce qu'on a gagné là? Jetons d'atout. Juste les jetons d'atout, rien d'autre. Mais déjà palier 22. Ça va vite, ça va extrêmement vite à monter. Hein. Il y a combien? 50 paliers. Parfait. Bon bah les amis, c'est la fin de cette VOD déjà. Je sais pas il y a combien de temps, là c'est pas affiché. Bon, ça doit faire 5-10 minutes je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description. Lien Utip, lien Twitch, Twitter, Facebook, tout ça les amis. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.